Viande hachée, des champignons, une feuille de laurier. Là, je fais mijoter. L'eau évaporée, tout évaporé, bien. Alors là, maintenant, on va mettre ce que tu aimes bien, Alexis. Oignon, beaucoup oignon. Et garde de l'ail. Là, on met le dernier ail à l'intérieur. Voilà. Voilà. On remet un petit. Et généralement, le plus important dans la cuisine, c'est quoi? C'est pas que les oignons, c'est pas que l'ail. C'est le vin blanc. Alors, comme dit Maïté, on m'en en met un tout petit peu. Pour que ça mijote un petit peu. Légèrement, on y est à la moitié. Voilà, on va laisser mijoter. Oh putain chérie, on a oublié quelque chose. Merde, le persil. Merde, persil. Vite. Très important le persil. Bon, pas du frais, mais bon. À défaut, au champ, on n'avait que ça. Vu la crise. Voilà. Et voilà. C'est bon. Alors comme vous pouvez le voir, le vin blanc commence à s'évaporer. Et c'est le moment d'incorporer concentré de tomate, 140 g, petite cuillère, qu'on injecte à l'intérieur. Et après le concentré, le liquide de tomate. Maintenant, on va laisser mijoter pendant une heure, hein, tranquillement, voilà. Pas de couvercle, surtout pas. On éteint les lumières, économie d'énergie. Et nous allons faire les galettes de riz, mais ronds. Allons voir ça. La caméra, ah. Le riz rond. Regardez, on l'a préparé la veille, bien sûr, parce que c'est long. Jeu de mots, riz long, c'est long. Voilà. Pour incorporer à l'intérieur du riz, 4 œufs. Voilà. Ensuite, faut incorporer 3 tasses d'emmental. Eh ouais, obligé. C'en est qu'une, ça. Hein. Je vous dis pas. J'aurais pu mettre le sac. Ouais, presque. Hein. Merde. Hein. Et maintenant, le but du jeu, c'est de malaxer et faire des... ça soit compact. Ah, j'arrive au bout. Une heure de malaxage, moi je vous le dis, ça renforce les doigts. Hein. Alors, non c'est pas vrai, 2 minutes. Oh. Après ça, après un bon malaxage, le but c'est de faire des petites boulettes. Voilà. On arrondit bien. Voilà, une belle boule de pétanque.
Et le but, c'est de l'aplatir. Hein? Un petit steak de riz rond qu'on plonge dans la farine. Voilà. Voilà. Et qu'on va placer dans le plat. Voilà ma dernière galette façonnée. Qu'on trempe, n'est-ce pas, dans la farine. Avec délicatesse. Comme la boulangerie Isaac. Voilà. Voilà. Maintenant, le but, c'est de se laver les mains et de poursuivre. A tout de suite. Voilà, après 5 minutes de préparation, le but maintenant, c'est de faire chauffer de l'huile. Entre l'huile. Je sais pas, il y a un cadreur, mais l'huile, très important, mais très dangereux. Alors c'est pour ça, je vais m'équiper. Parce que ça gicle, ça. Très dangereux, mais putain. Mais comment fait-il? Et je t'ébaisse pour fermer son tablier. Les galettes de riz rond, prêtes. Allons-y, on va les baigner. Comme dit, prudence, c'est très dangereux. Tremper dans l'huile. Attendre entre 15 et 20 minutes. Retourner de temps en temps. Et voilà nos belles croquettes de riz. Je précise bien rond. Hein, ont bien pris de la couleur. Je les retourne. Et voilà. Les dernières sont chaudes et bien croustillantes. Je l'espère. Voilà. Voilà. On éteint la plaque. Et bien sûr, la sauce qui va avec, qui a mijoté pendant 1h30. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est dresser la table. Et voici le plat terminé. Maintenant, il nous reste plus qu'à les déguster. On retrouve les saveurs du sud. C'est vrai qu'on se trouve en Alsace. Mais là, franchement, excellent. Je vous conseille de la refaire. J'aimerais remercier les carnets de Julie qui nous a permis de découvrir cette recette via la télévision. Et particulièrement remercier Valérie et surtout sa maman qui faisait cette recette. On la reproduise, je l'ai reproduis seul, sans mon épouse, parce qu'elle tient la caméra, bien sûr. C'est excellent. Voilà. Vu le confinement actuel, pourquoi ne pas partager nos recettes de nos régions? C'est pour ça que j'ai effectué cette vidéo, pour réaliser une recette qui n'est pas de ma région. Je suis d'Alsace, c'est une recette de Corse du Nord, et vive la Corse, et bien sûr, vive l'Alsace. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Une chose que je vous demanderai, c'est de rester chez vous. Restez confinés, et je remercie également tous les services médicaux, les hôpitaux, les infirmières, les médecins, les sapeurs-pompiers et les ambulances privées qui gèrent la crise. Restez chez vous pour profiter de votre famille. À bientôt.